Manovai et Vito, en avant. L'équipe Manovai est prise sous des tirs croisés. On ne peut pas atteindre les tourelles Get. Elles sont hors de portée. Alors, bon. Bouclier désactivé. Zone nettoyée. Bon. Transmission qui est interrompue, ça aidera nos copains un peu. Continuez notre chemin. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Lieutenant Alenko, protégez Manovai. Demande des attaques satellites. Geto, surveillez les stations de transmission. Alenko, vous voyez quelque chose ? Bouclier perdu. Comment faire ? Toutes les cibles sont éliminées. Rien à signaler, Shepard. Voilà. Il suffisait de trouver... Bien. Vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques. À couvert avant qu'ils reviennent. Je me dirige vers où, là ? Plateforme de ravitaillement ou on va vers là? On va aller par là avant, on sait jamais. On va aller à gauche, là, pour voir. On va aller voir à gauche ce qu'il y a ici. Allez, on y va, on avance. Ennemi neutralisé.
plateforme de ravitaillement pour aider nos potes, on y va. Allez. Bon, on continue l'histoire, hein. Du coup. Centre de recherche, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Entrée du complexe, et là il y a quoi? Entrée du complexe, c'est bien. Bon. On va aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas quelque chose à faire. Continuer du coup. L'équipe ombre ne doit plus être loin. De la ténacité, messieurs. Maintenez la position. D'ici, nous avons accès à la sécurité de la base. Nous devrions pouvoir couper les alarmes, peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Cela nous débarrassera des gardes. Mais je crains que les Galariens ne soient débordés. Désactivez simplement les alarmes. Les gardes, on peut s'en occuper. Oui, on est gentil, on n'est pas gentil après tout. Et nous, on est gentil. Alors, on va aller voir d'abord. Au bout de l'entrepôt, il n'y a rien. Allez, on continue notre chemin. Comment on descend? Donnez-leur un peu de mou, lieutenant. On veut pas qu'ils se barricadent, mais qu'ils sortent. Merde, ça c'est pour monter. Alors voyons voir, vers le labo, et ça c'est vers les labos. Vers les cellules de détention, c'est là que je vais aller. Voilà. Bon, vous n'êtes pas un guet, et vous ne portez pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Ganto Himnes du 3e régiment d'infiltration.
capturés en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, elle s'est fait endoctriner. Ils connaissaient l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat, les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, humain. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Ils ont l'air calmes. Leur esprit est parti. Qu'est-ce qui a poussé sa reine à agir ainsi? C'est extrêmement cruel. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûr, Shepard? Au mieux, ils vont se blesser. Et s'il leur reste quelques neurones, ils risquent de s'en prendre à nous. Faites-les sortir. Ils ne nous feront pas de mal. Très bien. Au moins, l'explosion mettra un terme à tout ça. Il appelle. Je dois suivre. Je suis ce qu'il veut que je sois. Nous ne sommes rien devant. Le silence apporte la paix. Personne n'en réchappe. Bon. Je crois qu'ils ont laissé des neurones, effectivement. Enfin, j'espérais que ce soit des informations. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous? Rana Thanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidée et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez, accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon, je peux partir. Qu'est-ce que vous étudiez ici?
16 vaisseaux sovraignes. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Saren l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclave décérébré, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux ? Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit, un point c'est tout. Et on finit par arrêter, tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi Saren fait-il ce genre de recherche ? C'est lui qui contrôle tout ça, non ? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à Saren, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché, lui aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile. Il y a comme un système de vase communicant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas ? Je ne... Ah ! Ah ! J'ai dans l'idée que ça vous a plu, commandant Shepard. Bien sûr que ça vous a plu. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Bon. Il reste quand même des missions secondaires à faire, hein. Purée. Alors, viens, mire. Neutraliser le canon de décès, tirer rien pour que Normandie puisse larguer la bombe. Là, il me restera quelques secondaires quand même à faire. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâtons, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet.
Nous sommes. Et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les protéins n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Cet échange est terminé. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là, Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite ! Vous feriez mieux de vous tirer de là ! Cette console ne fonctionne plus. Une idée, commandant Shepard ? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Se détourne de votre position, Geto. On dirait qu'Ombre a touché un point sensible. Alenko, bloquez-les. Il faut les contenir. On est où le centre d'élevage ?
Zone nettoyée. À nous de jouer. Bien. Nous y voilà. Nettoyez-moi tous ces guettes et posez les charges. Charge posée. Tout le monde à terre. À terre! Waouh! Beau travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, vous me recevez ? La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Sortez-les de là, Joker, tout de suite. Négatif, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant. Quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez! Je sais par où là que j'aille. Perdu. Bon, là, je sais pas par où du tout faut qu'on aille. Ah. Ah bah voilà.
semblerait que les Geth aient envoyé des renforts. Artilleur, on vient de repérer un transport de troupes qui se dirige droit sur vous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Vous pourrez les contenir ? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Artilleur, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Merde. On peut pas prendre les deux. Il semble qu'il y en a un des deux que je vais perdre, là. Putain. Kaidan ou Ashley? Williams, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant, je... C'est la meilleure solution, et vous le savez, Ash. Désolé, Kaidan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Félicitations, Shepard. Mais Geth était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les Protéens ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les Protéens existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sauve? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au Conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence? Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées? J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Geth suivent-ils Sovereign?
parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les Geth. Ce sont des instruments, et leur foi n'y changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule et vous ne le savez même pas, vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles, on peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants. Pour s'en sortir, le seul espoir, c'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine, et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie, et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie en a jamais porté. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. En vrai, il a pas tort, hein, le mec. Son raisonnement, il est pas... Son raisonnement est pas aberrant. Accrochez-vous! Je n'en reviens pas que Kaidan y soit resté. Comment on a pu le laisser là-bas? Alenko connaissait les risques. Il a donné sa vie pour nous sauver. Ça aurait dû être moi, commandant. Vous le savez comme moi. Désolé, Ash. Je ne vous aurais jamais laissé derrière, je ne pouvais pas. Vous le savez bien. Je sais, et je vous en suis reconnaissante, mais Kaidan est mort et c'est ma faute. Notre faute. Ashley, qu'est-ce que vous cherchez? Vous pensez que devenir une martyre va réparer les fautes de votre grand-père? Ça, c'est un coup bas. Ce qui est arrivé à votre grand-père est injuste, c'est vrai. Mais je ne veux pas vous perdre à cause de ça. À vos ordres, Shepard. Commandant? Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Contemplez-vous. Ça a l'air beaucoup plus clair vu comme ça.
Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos ! Le canal est sur Ilos ! Voilà pourquoi Saren cherchait le relais mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'Ilos avant ? Le relais mu connecte des dizaines de systèmes et des centaines de planètes. Comment pouvais-je savoir que c'était Ilos qu'il cherchait ? Sans l'énigma, les images de votre vision étaient confuses. Je viens tout juste d'y reconnaître des paysages typiques d'Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas ? Le relais mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les Spectres non plus. Le canal est sur Ilos, c'est là que se rend Saren, et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à... Oh. Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie. Nous avons terminé. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le Conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign, machine douée de raison, véritable intelligence artificielle. Sovereign est un moissonneur. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vie. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyiez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent pas. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Si vous pensez réellement que Sovereign constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. Bon. Alors, on a quand même quelques endroits à aller visiter encore. Déjà, il faut qu'on aille parler à tous nos copains. Ici, on s'en fout. Commandant, vous venez prendre de mes... Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement... Je réfléchissais à sa reine. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Il est devenu l'esclave des moissonneurs et il ne s'en rend même pas compte. Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement, sous le joug de Sovereign, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs, ou était-il simplement guidé par la soif de puissance ? Peu importe ses intentions, elles ont disparu. Il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Sa reine est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolise aussi nos discussions. Changeons de sujet. Vous savez pourquoi votre mère s'est... Benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte,
belle et bienveillante, était... Ça va aller, Lyara ? Merci, Shepard. Oui, elle me manque, et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contrarier nos plans. J'aimerais en savoir plus sur Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce... Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est... Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec... Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins, pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires... D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs Vous décennies. Savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que... Mon père, si vous préférez cette dénomination... Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour se dire... Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous... Les enfants... Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop... Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui a rien arrivé? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi si... Benezia ne parlait jamais de sa... De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt... Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Bon, tout ça, c'était du blabla qu'on avait déjà eu une première fois. Donc on va aller en bas. J'aimerais bien parler en particulier à Vrex parce que bon, je pense qu'il doit pas être très content. Ça a été un honneur de travailler avec vous, commandant Shepard. Malgré les pertes que nous avons subies, la mission est un succès. Les actions du lieutenant Alenko ne passeront pas inaperçues. Son sacrifice a valu à l'humanité un grand respect de la part de mon peuple. Kaidan était un bon officier. Il connaissait les risques. Bien sûr. C'est une triste réalité que tous les soldats... Commandant, soyez assuré que mes hommes et moi-même n'oublierons jamais ce que vous avez accompli. Nous quitterons le Normandie dès que vous atteindrez votre prochaine destination. J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble un jour. Commandant, joli bain de sang sur Virmir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je respecte votre choix. J'apprécie ce que vous avez fait, Vrex. Je ne l'oublierai pas. Donnez-moi des résultats, et on sera quitte. Sa reine doit payer pour ses actes. Nous l'aurons tôt ou tard, et alors il devra répondre de ses crimes. Il fera bien plus que répondre si j'ai mon mot à dire. Vous devez avoir de la famille. Non. Maintenant que j'ai récupéré l'armure de ma famille... À plus tard, Rex. Shepard. J'espère qu'on pourra obtenir l'aide du conseil Alenko, le lieutenant. Ça me ferait mal de penser que sa mort n'a rien changé. En même temps, ils ont raison. On n'a quasiment aucune preuve. Ma vision est la parole d'un spectre rebelle. On a les logs de nos combinaisons, c'est toujours ça. Tout peut s'expliquer, Shepard. Même si on ne comprend pas. Prenez Elysium. Vous étiez au bon endroit, au bon moment. C'est grâce à votre caractère que vous avez été à la... Et c'est grâce à ça que vous êtes ici, à la tête du plus beau rafio de l'Alliance. Pile... Je ne vous mets pas la pression, hein. Et vous, artilleur, qu'est-ce que vous attendez? Je dirais pas non à un petit massage de pied, chef. Désolé, j'arrête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. On doit rester concentré sur la mission. Quand tout sera fini, ce sera différent. Promis.
Ça vous va? Je comprends, artilleur. Les foules en délire ne sauront jamais combien vous avez donné, commandant. Faites de beaux rêves, Shepard. Commandant? Quelle est votre opinion sur notre dernier... On va en bas. Des légions de cuirassés intelligents et qui ont exterminé toute vie dans la galaxie des dizaines et des... Je dirais qu'on est légèrement désavantagés. On a un avantage. On sait qu'ils arrivent et qu'ils possèdent... Je ne vais pas attendre qu'ils viennent nous massacrer, chef. Vous pouvez compter la... Mais je suis un fantassin. Face aux moissonneurs, mon fusil ne fait pas le poids. Je ne vais pas pouvoir... C'est ça qui me rend folle. Ne pas pouvoir riposter. Comment ça va, au sujet du lieutenant Lincoln? Pas franchement mieux. Désolé pour ce que j'ai dit. C'est juste que... Je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Or là, c'est... Williams, écoutez-moi. Je suis responsable de cette mission. C'est moi qui ai pris cette décision, pas vous. C'est étrange. Je n'ai pas peur de mourir pour l'Alliance. Mais que... Si je peux me permettre, comment vous avez encaissé les pertes sur Elysium? Je devais faire en sorte que tout le monde s'en tire et j'ai échoué. Je me suis juré que ça ne se reproduirait plus. C'est la même chose ici. Je me souviens. Oui, de... je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Merci pour votre réconfort, chef. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Commandant, je voulais vous remercier. Pourquoi, Garrus? Pour tout. Pour m'avoir pris. J'ai beaucoup réfléchi. Il s'était échappé alors que j'étais responsable de l'affaire. Et ça m'est monté à la tête. Si ceux que j'ai juré de protéger ne me... Bien dit. Ne vous inquiétez pas, commandant. Je n'oublierai pas. Ah, Shepard. Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. À plus tard. Bon, bah, il savait pas grand chose à nous dire. Alors, on va faire les missions secondaires maintenant, parce que bon. Il y a quand même un trophée qui concerne toutes les missions secondaires que j'ai pas faites. Donc, on va les regarder dans l'ordre. Je contrôle la montre souveraine. Non. Rendez-vous dans la station médicale de Shoei, secteur Hades Gamma, système Cacus. Hades Gamma. J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Udina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Non, 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 va pas à la citadelle, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le délire? Non, non, il est pas question, je vais pas finir le jeu, moi. J'ai pas fait toutes les secondaires. J'y crois pas. Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Mais j'espère que... Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de sa reine était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discret. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté.
Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant... Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une espèce grande... Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou! Après tout ce que j'ai accompli... Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Quelle ordure. Comment va, commandant? Il y a encore de l'espoir. Vous êtes optimiste, Shepard? Disons que l'humanité apprend dans la douleur. On trouvera une solution, il le faut. Je peux compter sur vous. Je sais que je ne suis pas d'un abord très facile. Alors pour une fois, je vais vous faire une faveur. Je veux votre bonheur. Je vous aiderai coûte que coûte. Voilà, c'est dit. Et tant pis pour ma sensualité mystérieuse. J'ai mis un sacré bout de temps à vous cerner. Mais je crois que j'y suis arrivé. Moi aussi, je veux votre bonheur. Vous avez intérêt. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Vous nous espionniez, Joker. Non, chef. Je savais que vous étiez à bord et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Électron Libre. C'est un club dans les secteurs. Ça a l'air important. Vous devriez y aller. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. Désolé, commandant. Le Normandie est sous scellé. C'est l'ambassadeur Udina qui en a donné l'ordre. Après des années de déficit financier, Exogénie annonce que sa colonie de Féroce commence à générer des bénéfices. C'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés. Suite à cette attaque, je cherche le fan là, enfin toutes les missions, secondaires. Il y en a plusieurs qui sont à faire à la citadelle déjà. Bon, je vais pas avoir le choix, faut que je les finisse. J'ai oublié trop de trucs, j'ai raté trop de missions, puis ouais, je vais pas avoir ce trophée. Bon, bref. J'ai fait le con. Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité... Quel est le problème ? Ah ! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de... Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pour... Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité. Bon, c'est important, d'accord. Pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités, il me faut les meilleurs... J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité... C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Quelle heure, vous êtes accro aux stimulants. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un... Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté?
Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je... Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez l'abri. Vous ne comprenez pas. L'humanité a besoin de moi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous... Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas... Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Oh, j'ai eu le trophée pour l'émission. N'empêche, j'ai du mal à avaler que ce soit arrivé comme ça, sans attirer l'attention. Attends, je check vite fait... Excusez-moi, deux petites secondes, je check vite fait les trophées qu'il me reste à faire. Terminer le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté, ok. Terminer Ilos, ok. Et c'est tout. Et le trophée de platine, ok, bah super. Par souci de... si je peux finir les autres missions, je les finirai, sinon je finis le jeu et puis terminé. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter. Je veux bien croire que vous êtes en rogne. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être... Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher ça. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons rien... Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs... Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider ? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'il se rende compte... C'est une zone interdite, avec des gardes armés en patrouille. C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie, c'est tout ce que je vous demande. Vous allez vous faire tuer. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Houdina. Si je peux pirater l'ordinateur... Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon... L'ambassadeur Houdina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. La décision vous appartient. Je vais m'introduire dans le bureau de l'ambassadeur. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant ? J'ai encore deux, trois choses à faire. Venez me voir quand vous serez prêt. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va finir... On va finir toutes les quêtes, hein. Donc je vais aller voir le fan, faut que je retrouve le mec. On sait jamais, ça me servira peut-être dans Mass Effect 2 et 3 ensuite, donc je préfère tout clôturer. Commandant, j'ai eu une idée. Vous devez m'écouter. J'ai beaucoup à faire, alors. Génial! Ça va... Avec toutes ces attaques, un spectre, ça va faire juste pour toutes les colonies humaines. Qu'est-ce que vous diriez de m'engager? Conrad. Allez, quoi? Je ferai un spectre du tonnerre! Et on montrerait au con... Moi aussi, je veux me battre pour ce qui est juste! Comme sur Elysium, pendant le Red Sclilien. Je comprends, Conrad. Mais on a besoin de vous ailleurs. Quoi ? Comment ça ? Vous savez ce qui me motive ? Savoir que grâce à moi, les gens vivent en paix.
C'est ça le ciment de l'humanité, vous tous. Vous avez raison. Je voulais juste me rendre utile. Vous m'avez ouvert les yeux. Je rentre chez moi. Voilà. Maintenant, on peut retourner à l'électron libre. Parce que toutes les autres quêtes, c'est à faire en dehors de la citadelle, je crois, celle qui reste. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire tout ce que je fais, mais... Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant ? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker... Disons que je préfère être sûr. Je préfère être sûr de pas rater des choses, parce que derrière j'ai encore le 2 et le 3, alors... Ce serait quand même con de rater pour rien, quoi. Où le quartier du SSC là ? Alors voilà, c'est ça. Corruption au royaume du Conseil. Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au cœur de la citadelle. Restez avec nous pour un reportage exclusif. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? On a mis un poil dans le nez. Ben voilà. Sortez-nous de là, Joker, tout de suite! Alors, on reprend le journal. Donc, on en était où ? Il faut que j'aille sur Shoei, système Cacus, Hades Gamma. Shoei, Cacus, Hades Gamma.
Moi, je pense qu'on en a pour finir le jeu. Je pense qu'on en a pour quelques heures. Là, ça, on arrive vraiment au bout là. Redéploiement. 3-4 heures peut-être maximum. Désolé pour les coups de fil, je suis d'astreinte, donc bon, j'ai pas trop le choix de répondre. Alors, il faut faire attention au tir. Bon. Non, ils sont cons, ils ont buté mon pote. Allez, arrêtez de tirer comme des bœufs. Venez là, arrêtez de tirer comme des ânes. Ça c'est fait. Ensuite, on va donc dans le secteur de la mer pourpre, Matano. Ok, c'est parti. Alors on abrège, hein. Il y a quand même un débris à aller voir avant de partir de la planète. Et puis... Hop. Là. Tac, 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 tac. Thank you.
Oh, ça sent le dévoreur, ça. Quand on retourne en Normandie, Matano, secteur de la mer pour on avait dit. Réception d'un message, je transfère. Beau travail, commandant. Vous avez éliminé les biotiques avec un minimum de dommages collatéraux. J'ai du sang innocent sur les mains, amiral. Les biotiques sont peut-être responsables de les tout ça. Les biotiques étaient largement avantagés. Ils avaient des... Nous n'avons perdu qu'une poignée de civils. N'importe quelle autre unité aurait fait des dizaines de vies. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui, commandant. Il me semble avoir oublié une planète là. Ce cercle là, j'ai pas dû le faire, je pense. Mais y a rien. Bien. Donc il reste plus que ça. On va voir. Bon, demain je bosse de nuit, donc je pense que Mass Effect je le finis demain. Je sais pas si je me lance dans la foulée dans Mass Effect 2, mais je verrai bien, je sais pas encore. Déjà j'ai pas mal de potes qui se sont remis sur Monster Hunter World, donc je risque quand même d'y faire des tours de temps en temps. Alors je sais que ça intéresse pas beaucoup, en général Monster Hunter World, c'est tout le monde a fait le tour quoi. Puis bah je suis le premier à en avoir fait le tour. Hein. J'ai l'armure la plus puissante du jeu, les armes les plus puissantes du jeu qui me plaisent, évidemment, parce que bon, les armes que j'utilise pas, ça sert à rien. Donc, je comprends que ça puisse ne pas intéresser, mais là... pouvoir y rejouer avec des anciens collègues, ça va me faire propre, ça va être sympa. Par contre, n'hésite pas à monter toi. Hein. Surtout n'hésite pas.
que par là, non. Là, c'est trop de rue, ça remontera pas. Putain. C'est... Ah, ça va pas me manquer, le Mako, par contre. Ça, je garantis que ça me manquera pas. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête à faire. Attends. Est-ce que je me prends la tête pour quelque chose, au moins? Enquêter sur les prélèvements. Cap sur Manatano. Fouiller le centre. Localiser des traces de combat. Un médaillon de Ligue Galarien. Ah, il me reste encore un truc à trouver. Fait chier. Fait chier. Si j'avais tout trouvé, j'avais pas besoin d'explorer. Allez. Alors, je m'en doutais bien.